Voilà donc les essais de la Thunderbolt SSD 58, version allégée. Voilà, bon. Bon, désolé, il y a un petit peu de vent. Voilà. Donc le condensateur, petite capacité, pardon, qui n'est pas encore isolé. Voilà, j'en suis à la phase d'essai. Le stub, toujours en RG58. Bon, la descente, hein. La self. Voilà. Et donc le résultat. Le résultat OMFJ est pas mal. Voilà, il est pas mal. 27,5. Hop, bon, 28. Toujours 1,1. 47. 5 de réactance. Je descends. Je vais descendre jusqu'à. Allez, 27. Hein. 48. Et 7 de réactance. Donc on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. On est proche de la réalité. Et là où on veut travailler, hein, en général, voilà, entre 27,500 et. 27,400 on va dire, et 27,800, bon, ça reste à 46 ohms, c'est pas 50, mais bon, ça reste quand même pas mal, très très proche de la réalité. Voilà en ce qui concerne les essais. Voilà, donc là j'ai donc la nouvelle self, enfin la totalité de l'antenne, là, je viens de la mettre par terre. La nouvelle self, en fait, constituée de 18 tours au lieu de 16. Ça, c'est la nouveauté. Voilà, donc la différence entre la première self que j'ai fabriquée sur la première version, la différence, c'est que j'ai rajouté donc deux spires en plus. Deux spires. Donc l'auteur italien préconisait 16 tours. Moi, j'en ai mis 18. Pour essayer, et effectivement ça redescend bien plus la bande passante sur le 27 que sur le haut du 27 et 28. Ensuite la remontée en RG58, ça là il n'y a pas de problème. Ici donc le stub qui est en RG58 au lieu de RG216, deuxième nouveauté. Troisième nouveauté, il y a également, donc j'ai supprimé là, toujours pour gagner du poids, et bonjour la fourmi, j'ai supprimé la PL mâle femelle, puis j'ai jointé, comme vous avez pu voir lors du montage, j'ai jointé âme-âme, tresse-tresse, avec une isolation avec du pistolet à colle. Voilà, ça c'est la troisième nouveauté. Et puis alors la quatrième nouveauté, alors voilà le condensateur qui en fait fait partie de il fait partie de intégrante de du coax, hein. de la longueur supérieure du coax. Voilà, donc il suffit de dénuder un bout de tresse de 2,5 cm, enfin bon, comme expliqué sur le plan, hein, ça vous verrez, c'est simple. Donc il y a une meilleure tenue mécanique. Bon, ensuite le bout de fil de 3,45 m, hein, ça c'est pas qui est c'est pas du 2,5 non plus, c'est du, ça doit être du 0,80, du 0,80 tressé. Voilà. Donc souple. Donc ça se range facilement dans le sac à dos. Voilà pour la petite nouveauté. Nouvelle antenne Thunderbolt SSD 58 pour le SOTA. Nouvelle antenne Thunderbolt SSD 58 pour le SOTA.